Geeker, dites-moi dans la vidéo. Eh bien voilà, le geeker, dit... tu es trop belle. Est-ce que Florine est timide? Apparemment, oui. T'es timide, ma chérie? Ah ouais, ça se voit. C'est pas bon, les verres. Le poirier, Gwendal. Gwendal fait partie d'une comédie musicale, non? Oui, oui, exactement. Fever, voilà. Les invités d'aujourd'hui, c'est le monde de Maë. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, ça y est, on a... Ah, il y avait des bouts de verre sur... Exact. La banane. Eh ben ouais. Oui. Et donc du coup là, comment ça, vous rentrez en quelle classe toutes les deux les filles l'année prochaine? L'année prochaine je rentre en quatrième. Quatrième. Tu vas faire une quatrième théâtre ou pas du tout? Tu sais pas? Une petite option? Je crois que ça existe plus. Si ça existe. Ça existe. Bah, quatrième théâtre. Quatrième théâtre forcément. Mais pourquoi je l'ai pas fait? Quatrième théâtre, quatrième international, quatrième européenne. Et donc du coup non, juste une quatrième normale. Quatrième C. Bonjour. Bah non, ça existe pas. Mais si ça existe quatrième, bah je l'ai fait. Bah oui, moi, mais t'as quel âge, Kevin? Oui, mais non, mais ça se fait encore maintenant, j'interviens dans des trucs. Et toi, ma chérie, tu passes en quelle classe? En CM2. D'accord. Bientôt le collège. T'as peur du collège ou t'as trop hâte d'avoir plusieurs profs? Ça se passe comment, toi? Bah, vu comment je lui en parle. Toi, ça va? Ah ouais. Tu le vis bien? Ah, c'est cool. En plus, en ce moment, j'ai plein de profs absents. Et tu retournes... C'est... Oh, ben, sympa, on embrasse les profs absents. On embrasse l'éducation nationale. Et donc après, c'est l'année du brevet. Tu vas voir, c'est la dernière année de tranquillité à peu près pour toi. Et toi aussi, c'est la dernière année à peu près de tranquillité. Le petit papa qui filme... Le papa, il s'en fout, il est en train de vlogger. Je sais même plus quelle caméra regarder. Ça va, Maë? On est d'accord, vous inquiétez pas, c'est de l'eau, tout va bien. C'est du direct, mais ça va, ce sera vlogué, ce sera sur leur compte. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Il y a juste... très bien fait, Maë. Non, mais Maë est en train de s'étouffer. Et il y a juste son papa qui la vlogue. Ah, c'est pas... Attends. C'est-à-dire qu'elle peut décéder sous vos yeux. Non, vous aurez l'exclusivité sur les images. On va pas être accusé ce soir de crime d'enfant, tu trouves? Non, c'est bon. Je me suis étouffée avec de l'eau. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je commence à être habituée. Non, mais c'était génial. En tout cas, j'aimerais saluer le calme olympique de sa sœur face à cette situation, oui, qui trouve ça totalement normal. Oui, enfin bon, on prend où on en est, si tu veux. Bon, je sais plus ce qu'on disait, du coup. Je ne sais plus du tout non plus. On était en train de parler de la classe qu'ils allaient faire l'année prochaine, Gwendal. Ah, ouais. Apparemment, le live, le live chat. Pas éprouvé, ça. Ah non, c'est bon, ça a repris. Mais oui, ça a repris. Il y a écrit, je sais pas. Ah non, si, c'est bon, ça a repris. Donc, du coup, les garçons, peut-être, qui vont venir un petit peu l'année prochaine. Tu rentres en quatrième, hein, ça commence. T'as commencé à quel âge, toi? De quoi? Les filles. Les filles? Oui. Bah, tôt, enfin, je. Très bien, ça ne m'étonne pas. La, quoi? Oh non, mais moi. Bah, internat, quoi. Ah. Moi, dans ma classe, il y en a presque tous, ils ont déjà eu 5 mecs. Ah, très bien. Ah ouais, dans quel lycée, collège es-tu? De que je ne mette pas ma fille. Je le dis pas. Ah, tu le dis pas, très bien. 5 garçons qu'ils ont non, déjà eu. Non, mais non. En même temps. Les filles. Ah, en même temps. Ah. Ils ont déjà eu en primaire. Ah, en primaire? Mais attends, bah, ma oui. Première amoureuse, c'était en moyenne section. Hein. Oui, mais tu es devenu un gros cochon aussi, donc bon. C'est quand votre anniversaire? Moi, c'est le 16 février. 16 février. Dédé, en quelle année? 2004. Oh là là. 2004. Le coup de vieux, d'accord. Pourquoi? Bah parce génial, qu'à ce moment, quand toi tu étais né, moi j'étais justement en quatrième théâtre. Donc, et coup, tout le monde s'en un fout. Peu vieux. Mais non, mais qu'est-ce qu'on nous dit sur tu vas me parler autrement, toi. Cassandre, hein. Tu vas prendre la tarte tout à l'heure, je te préviens. Hein. Et je sens le calamar, je suis désolé. Et Cassandre nous dit, t'es trop belle. Est-ce que t'as des conseils stylistes à donner? Est-ce que t'as des marques pas préférées? Oui. Bah, non, tu vois, franchement, il est marque de vêtements. Et qu'est-ce que tu penses de son style? Bah j'aime bien. Ah t'as merci. Vu, il y a que lui qui peut porter ça. Je trouve ça, moi je me mets ouais, là-dedans. Ouais, si, il y a vraiment que toi qui peux porter ça, enfin... Tu vois? Enfin, toi tu le porterais, ça serait moche. On est sur un gros égo là. Hein? Non, je pense que tout le monde peut porter ça pour peu qu'on y croit, quoi. Non, très bien. Vous pesez... Alors c'est une drôle de question, c'est bien la première fois que je vois ça. Vous pesez ça combien? Ça va pas la tête. Alors vous pesez combien? On nous moi, demande. Moi, je pèse 33 kilos. Très bien. Est-ce que on se referait un challenge? Un petit challenge, ouais. Oui. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se fasse un petit challenge. Moi, écoute, il y a un cool ou flop qui est déjà prêt. Il y a un cool ou flop qui est déjà prêt. Et oh, j'ai eu super peur. Qu'est-ce que ah ça va pas? Non, mais j'ai eu super peur. Non, mais ah, ok. Donc maintenant, la grue nous fait des vannes. On lâche les vannes. Tout va bien, Kevin. C'est pour ça que tu t'es étouffé? Non, non, non. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, mais pourquoi? Okay. Qui a fait ça? Très bien. Qui se dénonce? Je vois que c'est un grand bazar dans l'équipe technique aujourd'hui. Moi aussi, je suis né en 2004. Bah, écoute, tant mieux. Justine, quelle est votre musique préférée, quoi? Quelle est votre musique préférée du moment? En ce moment, j'écoute beaucoup Side to Side de Ariana Grande. De Ariana Grande. Side to side, baby, you're fine.
Ariana Grande qui sera en concert à Bercy le 6 juin prochain, d'ailleurs. Merci, Kevin. De rien.